Le prof soumis. Bien alors, comme vous le savez, j'ai décidé... Bon, dites, vous voulez que je vous aide? Vous voulez pas vous rapprocher encore plus, non? Ah pardon, vous êtes ensemble? Ah, autant pour moi, je savais pas. Non, désolé, vraiment, y a pas de soucis. Les autres, silence, on reprend. Le prof féministe. Bon, Anaïs, quand est-ce que vous allez arrêter de vous prendre la tête avec votre voisin, là? On est en cours d'histoire, là. Les guerres, ici, elles sont virtuelles, si vous voulez. Donc les règlements de compte, c'est à la sortie. Pardon? Il vous a trompé? Salaud, va. Foutez-lui une beigne. Bravo, petit con va. Ça vous apprendra à maltraiter la gente féminine. Et n'oubliez pas Anaïs. Au moindre faux pas, un coup bien placé, ça le remettra dans les rails. Battez-vous Anaïs. Bonne chance Anaïs. Le prof jaloux. Écoutez Camille, je vous apprécie beaucoup. Ah, vous êtes très bonne élève. Mais je ne supporte plus les papouilles envers votre voisin pendant mon cours. Donc la solution, ça va être très simple Camille. C'est lui ou moi. Sachant que si votre choix se porte sur lui, je saurai vous faire preuve de tout mon amour pendant le conseil de classe. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ça sera enflammé. Ça, je peux vous le garantir, voyez. Moi, conseil de classe, vous, votre copain. Moi, parler. Conseil de classe, réagir. Votre copain dégagé, vous explosez. Action, réaction. Voyez ? Le prof blasé. Et donc c'est à cette date que les Anglais... Monsieur Antoine, il a embrassé Camille. Ah ouais ? Bah il a raison. Je ferais pareil à sa place, franchement. Hein. En revanche, vous, la prochaine fois que vous m'interrompez, c'est la porte. C'est bon ? T'as clair ? Le prof altruiste. Ah, écoutez monsieur, vous allez pas discuter avec votre voisin pendant tout le cours, hein. On peut savoir de quoi ça parle ? Bah si, allez-y, faites partager à toute la classe. Vous êtes amoureux de Marine. Mais elle est en terminale S, elle, non ? Ah mais oui, je la connais, je lui donne des cours particuliers. Bon, si je vous aide à la contacter, vous me promettez de suivre mon cours ? Ok, marché conclu. Alors prenez un crayon et notez. 06 29 76 55 43. Voilà, bon, et la moindre des choses, c'est de nous tenir au courant par la suite, hein. Le prof impliqué. Comment ça, il vous a largué ? Ah mais dites-moi que c'est une blague ? Les autres, c'est vrai ce qu'elle dit ? Ah la vache ! Oh non, ma pauvre, attendez. Ah non, vraiment, je suis désolé. Ah vraiment, je suis tout cœur avec vous, hein. Bon, l'avantage, c'est que vous allez peut-être arrêter de parler pendant mon cours. Et vos notes, hop, elles vont s'envoler. Un de perdu pour un passage retrouvé. Bravo, ma petite. Le prof macho. Mathilde, pourquoi est-ce que vous pleurez depuis une heure? Il vous a largué. Bah, tu m'étonnes. Mais enfin, si vous voulez, moi déjà, quand vous me parlez normalement, je me sens agressé. Et c'est qu'une fois par semaine. Hein. Mais lui a tenu 3 semaines, H24. Mais c'est un warrior, excusez-moi, les autres, vous êtes d'accord? Dites-vous que maintenant il est heureux, ça vous consolera peut-être. Bon, les autres, on en était où déjà? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner à la chaîne. Parce qu'il est fort probable que j'en fasse d'autres, beaucoup d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres, et toutes très drôles. Oh oui, ça, on va rire, on va rire, on va rire, on va rire, et tu ne sauras même plus où t'arrêter. Et ben en attendant, à plus. Ah, excuse-moi, attends. Allô? Ouais, je fais passer des euros, là. Ouais, tu l'as reçu? Allez, ouais, à bientôt. Ah, le con.